Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente d'habitude. J'ai proposé sur mon Facebook de faire un plan tour. Alors qu'est-ce que... Ça y est, voilà mes mères. qu'est-ce que c'est qu'un plan tour? C'est vous présenter toutes les plantes que j'ai à la maison. Donc, parce que aujourd'hui, je n'ai fait que du jardinage, donc ce matin. Et cet après-midi, je ne me suis occupée que de mes plantes. Hop là, que de mes plantes vertes et mes orchidées. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et du coup, je me suis dit, oh là là, arrête! J'ai proposé sur mon Facebook... de faire une vidéo plan de tour. Bon, bouge Fifi. Et bon, certaines d'entre vous m'ont dit oui, d'accord. Donc, je vais faire ça. Bon, j'ai quand même un certain nombre de plantes. J'en ai moins que ce que j'avais avant mon déménagement. Mais j'en ai quand même pas mal. Oh, t'arrêtes! Elle dormait. Oui, elle dormait par là. Alors, ma mère, en ce moment, elle a une conjonctivite à ses yeux. Je ne sais pas comment elle a fait son compte. Mais bon, ça ne l'empêche pas d'être embêtante. Hein? Voilà, donc je disais, je vais vous montrer les plantes que j'ai. Et puis, vous dire les noms. Voilà. Et en même temps, je dirais, à la fin, je vous parlerai de, un petit peu de... Je vous parlerai un peu de, des plantes que j'aimerais bien avoir et également des boutures que je recherche. On ne sait jamais si vous avez des boutures à la maison. Donc voilà. Donc, je vais prendre mon téléphone. Je vais changer l'axe si j'y arrive. Non, je n'y arrive pas. Bon, je vous éteins une seconde et je vous rallume tout de suite. Donc voilà, on est d'abord dans la cuisine. Alors, excusez-moi, on est à contre-jour. Voilà. Alors, j'ai d'abord les orchidées. Une partie d'abord de mes orchidées. Voilà, ici. Donc dans la cuisine, c'est mes orchidées. Qui attendent de refleurir. Voilà. Donc, vous voyez, elles refont quand même déjà des petites feuilles. Ici. Donc, tu sortiras après, mon pépère. Vous voyez. Donc là, j'en ai une 5. Après, j'en ai 3 là-haut. Non. J'en ai 2. Là-haut. À côté, j'ai un hoya. Alors, le hoya, malheureusement, là, je vous refilme. Mais je vous mettrai des photos quand il a fleuri. Parce qu'un hoya, c'est très, très long à fleurir. Ça a mis 5 ans avant de fleurir. Donc là, c'est un hoya Mathilde. Donc, je vais vous mettre des photos après, à la fin, pour vous montrer les fleurs que ça fait. Voilà. Alors, ici, c'est un Zamioculcas zamulifolia. Voilà. Ça a des noms à aller coucher dehors, hein, les plantes, je vous rassure. Alors, celle-là, vous allez me dire, elle n'est pas en bon état, mais elle a été rempotée aujourd'hui. Voilà, parce que je lui ai refait... Et, bah oui, mais range tes pattes. Voilà, j'ai fait des boutures aujourd'hui, parce qu'elle avait plein de petites boutures. C'est les plantes araignées. Et elle avait plein de boutures. Et puis là, le pot, il était, mais alors, dans un état...
Il n'y avait plus de terre. Ce n'était plus que des racines. Donc là, après, elle va remonter. Hein. Mais là, bon, elle a été rempotée aujourd'hui. Mais regardez, vous voyez, elle me refait encore des boutures. Plein de boutures. Et ça, c'est des petites fleurs. Donc ça, ça c'est un Chlorophytum laxum. Donc on appelle ça une plante araignée. Donc là, maintenant, il va respirer un peu plus. Non, il entend les voisins parler. Alors ici, voilà, c'est un palmier Kantia. Alors, c'est le palmier Kantia Ovea Forsteriana. Voilà. Vous voyez. Alors, quand il démarre, vous n'avez que par deux feuilles, vous voyez. Comme ceci. Deux ou trois feuilles. Et après, il vous fait... Vous voyez, là, il y a deux feuilles. Et après, il va vous faire des branches de 5-6 feuilles, même plus. Donc là, il me refait des nouvelles feuilles. Regardez, vous voyez. Elles sont beaucoup plus claires. Donc lui, je vais le rempoter aussi bientôt. Alors ici, alors là, j'ai mon Dracaenia marginata. Voilà. Donc celui-là, il a une toute fine bordure bordeaux sur le côté des feuilles. Donc, je ne sais pas pourquoi il pleure. Alors, dans le salon, il n'y a pas d'autres fleurs, puisque, comme vous voyez, il n'y a pas de fenêtre hein, dans le salon. Donc là, je ne peux pas mettre beaucoup de fleurs. Alors, on va aller dans la pièce de devant. Je vais allumer. Hop. Alors ici, la première, c'est un Calanthea. Voilà. J'aime bien les Calanthea. Là, il me refait des nouvelles feuilles également. Là, j'ai un petit cactus. Alors lui, son nom est ici. Alors attendez. Je vais essayer de vous mettre de la lumière. Voilà, je vous ai mis le flash, ça va mieux. Voilà, bon, comme ça vous voyez mieux. Donc, vous voyez ici, on voit la nouvelle feuille. Mais pourquoi tu pleures? Maman, elle est là. Donc là, le petit cactus. Alors celui-là, je ne sais jamais le nom, ok, par cœur. Parce que voilà le nom. Gymnocalyxium damnes. Voilà. En plus, je lui laisse son étiquette parce que. Alors, celui-là, par contre, je ne sais plus son nom du tout. Alors, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Parce que j'ai perdu son nom. Je ne le sais plus du tout. J'adore cette plante, mais j'ai complètement perdu son nom. Alors, ici, un pothos. Donc, c'est un pothos scandapus. Voilà. Qui me fait plein de pousses. Vous voyez. Qu'il va falloir que je remonte parce que bientôt, j'ai mes bébêtes là. Qui va me jouer avec. Donc, j'aime bien, c'est les couleurs. À côté, j'ai un Dracaenia Wild Gevel. Voilà. Il va falloir que je dépoussière un peu. Je vois ça avec le flash. Ici, j'ai encore un Calathea. Alors, celui-là, bon, il a pris un peu le soleil, malheureusement. Et on l'appelle aussi la plante pan.
comme l'oiseau, le paon. Alors là, j'ai des plantes derrière le rideau. Alors attendez, je vais ouvrir mes rideaux 2 secondes. Hop. Oh, mon cactus. J'ai coincé mon rideau dans le cactus. Voilà. Alors ce cactus-là, ben, je ne sais plus le nom non plus, mais bon, il est à... Voilà. Ici, c'est un euphorbia. Alors, c'est un Trigona rubra, celui-là, vous voyez. Hé, Fifi, descends, descends, descends. Allez. Mais c'est un yucca, hein, tout simple. Je vais ouvrir le rideau. Allez, arrêtez, il va y avoir de la bagarre. Pacha, va par là. Il embête Fifi, lui. Ici. Voilà. Là. Donc là, c'est un Cerus ferricastel. Voilà. Mon cactus, ici. Là, les langues de belle-mère, hein, c'est ce qu'on appelle comme ça. Donc, la langue de belle-mère, c'est un Sansevieria. Voilà. Et là, il me fait plein de nouvelles pousses. Regardez, ici, ici. Ça, c'est une nouvelle pousse aussi. Il y en a encore sur le devant. Alors, le Sansevieria, il peut fleurir. Je referme les rideaux. C'est comme j'ai allumé. Et, oui, comme je vous disais, le Sansevieria peut fleurir. Mais il faut être très patient, c'est-à-dire 30 ans. Voilà. Il vous faut 30 ans avant d'avoir au moins une fleur, et encore, c'est pas sûr. Donc là, c'est des pousses d'aloe vera. Voilà. Ici, là, c'est mon... Alors, comment je sais... Je sais plus son nom, lui. Ah si, c'est mon Diefenbachia. Voilà. Alors, ce qui est rigolo, alors c'est le Séguin ou le Camilla, parce qu'il y a plusieurs variétés. Mais arrête, Pacha! Oh! Il y a plusieurs variétés, il y en a une cinquantaine. Et donc, cela, je ne sais plus lequel des deux. Et si c'est le Séguin, ce qui est rigolo pour celui-là, c'est qu'on l'appelle aussi la canne du muet. C'est la plante des souris muets. Pourquoi? Pareil, c'est mystère et boule de gomme. Voilà. Alors, après, ici, j'ai un... Donc ça, celle-là, c'est pas à moi. C'est à mon chouchou. C'est un ficus ginseng, voilà, ça c'est la sienne. Là j'ai encore une petite pousse d'aloe vera. Là encore une orchidée qui me refait une nouvelle feuille. Ensuite j'ai deux orchidées là qui sont fleuries, voilà. C'était celle que j'ai eue pour la fête des mères par mon chouchou. Là, j'ai une petite orchidée ici. Voyez. J'ai aussi un échec. Alors, il est où? Je l'ai mis où? Il est là. Mon cactus, alors c'est un Echinopsie Pachanoï, voilà, celui-là. Ici, celui-là, je vais vous le dire en dernier. Donc là, c'est un mini Dracanea. C'est à mon chouchou aussi, celle-là. Là, derrière... Voilà.
Alors, c'est un... Hop, c'est un Monstrera, mais alors, il a du mal. Vous voyez, il s'est fait grignoter, il a une feuille jaune. Enfin, là, il reprend bien. Mais il a fallu que je trouve une bonne place. Là, maintenant, ça y est, il a l'air d'avoir trouvé sa place. Mais il a eu du mal. Il était presque mort. Mais là, maintenant, bon, ça va... Donc, c'est un philodendron, c'est de Monstrera. Voilà. Et alors, celui que je vous disais, donc le. Où il est ? Après, il y a le. Ben celui-là, vous connaissez hein, certainement. C'est le Spatiphyllum. Voilà. Ici. Donc là, bon, il n'y a plus de fleurs pour l'instant. Ça, c'est une youtubeuse qui me l'avait acheté à mon mariage, Coco, qui était venue. Donc, Coco, si tu passes par là, tu vois, j'ai toujours ta plante. Bon, pour l'instant, elle n'a plus ses fleurs, mais elles vont refaire des fleurs. Hein. Donc, elle est toujours là. Et là, j'en ai une bouture, mais de pas celle-là, hein, c'est d'une autre. Et là, la bouture, maintenant, est devenue presque une plante. Voilà, ici. Ah, j'essaye de ne pas trop trembler, vous voyez. Donc là, bientôt, je vais la rempoter aussi, celle-là. Mais... Et la dernière, que je n'ai pas dit... Alors, ça... c'est un Pachypodium. Pachypodium ici, voilà. Alors, c'est une succulente cactus. Hein. Ça, c'est des deux familles. C'est un Pachypodium lamérail. Voilà. Et normalement, ça doit faire une fleur blanche, mais bon, moi, j'ai pas encore eu de fleur blanche pour l'instant. Pacha. Alors, et là, je ne connais pas cette plante. Là, cette plante, je ne connais pas. Hein? Pacha, tu es quoi comme plante, toi? Tu es une plante? Donc, voilà. Donc, je pense vous avoir tout montré. Oui. Ah non, là, la grosse plante, ici. Ici. Voilà. Vous voyez, je vous refais un petit tour. La pièce principale avec toutes les plantes. Mais bon, avant j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc j'espère en avoir plus bientôt. Et là, c'est les petits oiseaux. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Non, avec la lumière, ils se sauvent. Là, il y a le canari. Malheureusement, il est tout seul. Son copain est mort il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Allez, je retourne sur la table. Et je vais vous parler des petites boutures. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que mon petit plan de tour vous aura plu. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Et donc là, bah maintenant, je vais commencer à chercher un peu des boutures. Voilà, vous avez vu, elle dormait, hein. Et donc là, je vais chercher un peu des boutures. Donc, je vais chercher une bouture de une ou plusieurs, parce qu'il y a plusieurs variétés également de Tradescantia. Donc ça, c'est les misères. Voilà. Ce qu'on appelle vulgairement les misères. Donc ça, je cherche des boutures de ça. Les boutures de Séropédia. Donc, c'est des chaînes de cœur. Des boutures de phytonia aussi,
et aussi les boutures de Peperonia. Mais je vous mettrai les photos des boutures que je cherche. On ne sait jamais si vous en avez. Ça peut, si vous en avez, puis que vous pouvez m'en envoyer, ça serait sympa. Oh, j'ai une tête ce soir. Voilà. Et puis là, après, un petit peu à la fois, je vais me racheter quelques plantes. Donc là, je les ai marquées. Je vais me racheter. C'est pareil, je vais vous mettre les photos pour que vous voyez ce que c'est. Un Fishdon cactus, un caladium, voilà, un pilea, un bégonia maculata. Alors ça, oh, arrête Fifi, mince, ça, il est magnifique ce bégonia, il a des feuilles, regardez la photo, vous allez voir la photo, il est juste magnifique. Un Monstrera Deliciosa aussi. Alors, c'est pas le même que j'ai. Le Monstrera Deliciosa, les feuilles sont aussi grandes. Mais vous avez vu, le mien, elles sont découpées. Elles sont coupées carrément, les feuilles. Donc là, non. C'est les découpes sont à l'intérieur des feuilles. Donc, la feuille n'est pas coupée. Si vous voulez, c'est pas coupé comme ça. C'est des ronds, c'est des coupes rondes à l'intérieur de la feuille. C'est pareil, je vous allez voir la photo. Et je vais essayer de me trouver aussi un Senosia. Alors là, ça se prononce un Senosia roleanus. Voilà, ça c'est non, les plantes, hein, des fois. Et en dernier. Hein, pour l'instant, un Scandactus, voilà, mais un petit peu à la fois, une plante après l'autre, voilà, et puis bon, on verra, de toute façon la maison n'est pas non plus extensible, hein. Bon, j'ai pas encore attaqué la salle de bain pour mettre des plantes, je vais peut-être en mettre, pas beaucoup parce que là elle n'est pas grande, juste lui mettre une petite étagère juste près de la fenêtre et mettre une ou deux plantes ou trois, voilà, on verra et puis je verrai bien. Voilà, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de mon petit tour, mon plan de tour, est-ce que ça vous a plu. Bon, ça, je ne vais pas vous en faire un tous les mois, hein, parce que ça n'a pas changé beaucoup. Mais si vous voulez voir de temps en temps quand j'ai des nouvelles plantes, si ça vous intéresse, dites-le moi. Aussi, quand je fais des boutures, si ça vous intéresse de voir quand je fais les boutures et puis que je vous fais une vidéo quand je fais la bouture et puis l'évolution de la bouture. En une seule vidéo, hein, je vous ferai, parce que dans ce cas-là, sinon, ça serait gavant. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, au jardin, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, au jardin, j'ai bêché un petit... Alors, je me suis bêché un carré, parce que là, je dois désherber pas mal, avec toutes les pluies qui sont tombées. Oh, arrête, Fifi! J'ai désherbé un carré entre mes deux apportiers parce que je m'étais acheté ce dimanche au marché un pied de rhubarbe et un pied de laurier. Donc là, j'avais bêché entre les deux apportiers pour mettre mon pied de rhubarbe au milieu entre les deux. Donc j'ai désherbé, j'ai bêché, j'étais morte. J'ai planté mon pied de rhubarbe. Comme la maison voisine à côté de chez moi, c'est les beaux-parents, mon fils, hein, eux avaient déménagé. Mais ils ont encore quelques pieds de fraisier qui ont continué à pousser dans le jardin. Donc j'étais en recherche quelques-uns.
que j'ai mis donc quelques-uns, je veux dire, quatre. J'en ai pas pris beaucoup, mais j'en ai pris que quatre. Bon, j'ai une autre voisine, elle n'est pas gênée, elle était venue dans la semaine avec, la bêche, elle a carrément pris des gros pieds. Mais bon. Donc j'ai remis quatre pieds de fraises autour de la rhubarbe. Et après, j'ai désherbé toutes les plates-bandes, planté le laurier. Et on a commencé, alors ça je vous montrerai plus tard, on a commencé à mettre un brise-vue, une partie du grillage. Mon mari n'aime pas, mais bon, parce qu'on ne l'a fait qu'à un seul endroit du grillage. Parce qu'on va, la semaine prochaine, installer un poulailler. Voilà. Donc ça, ce sera le sujet d'une vidéo, si ça vous intéresse. Donc là, on va recevoir bientôt un poulailler. Et la semaine d'après, on va aller chercher au marché également. On aura deux poules. Voilà. Pour nous, avoir des bons œufs frais. Donc là, on va s'amuser. Pacha! Pacha! Il est en train de jouer avec Fifi, mais il lui fait mal. Viens, maman. Désolée. Donc là, quand on va recevoir le poulailler, il va falloir le monter. Ça va pas être rigolo. On va s'amuser. Mais il est super beau. C'est un kit, hein. C'est vraiment, ça fait une petite maison et tout. Il est vraiment pas mal. Il est assez grand. Donc, comme je voulais pas que ça... Comme pour l'instant, il n'y a personne dans la maison à côté. Mais je ne voulais pas que ça fasse de désagrément quand même pour après. Pacha! Oh là là, il se bagarre dans mes rideaux. Mais je fais... Fifi! Ils ont décidé de m'embêter. Mais bon, comme je veux pas que ça embête les gens, et puis que... Et même en même temps, un brise-vue, ça empêchera les poules d'être trop cons en l'air. Et ben oui, je fais attention. Même avec les poules, je ferai attention. Que voulez-vous? Bon, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai terminé mon petit plan de tour aujourd'hui. Je vous laisse regarder les photos là juste après pour vous montrer les boutures que je recherche, les plantes pour les boutures que je recherche. Il est tard, les filles, je baille. Et je vous montre en même temps les plantes que j'aimerais bien acheter un petit peu à la fois par la suite. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Bisous bisous. À bientôt.